Le programme LIFE, c'est un programme européen dont plusieurs pays européens sont partenaires, la France, l'Italie, l'Autriche et la Slovénie. Et le but un petit peu global, c'est d'améliorer la coexistence loup-pastoralisme via diverses actions. En tant qu'unité de prévention des troupeaux, il y a deux équipes en fait. Une équipe au sein du Parc national du Mercantour et la nôtre à l'Office français de la biodiversité. Et donc nous, on travaille dans l'action de protection des troupeaux et de prévention des dommages. On est sur le terrain et on travaille avec des outils technologiques qui nous permettent d'améliorer la compréhension. On peut poser des pièges photographiques pour en avoir un petit peu plus d'informations sur les loups en local. Pour avoir une compréhension plus fine des parcours du troupeau, on peut mettre des colliers de GPS sur les chiens de protection et sur les brebis, afin de voir comment est-ce qu'ils utilisent l'espace et voir si les chiens ils sont vraiment toujours proches du troupeau, s'il y a des phases exploratoires sur des territoires où il peut y avoir plus de loups. Enfin, c'est histoire d'améliorer la compréhension locale. On va travailler en faisant des affûts de nuit avec des caméras thermiques, afin de voir l'activité qu'il y a autour du troupeau et voir comment l'environnement global interagit avec le système pastoral, quelles relations ils ont, s'il y a des loups qui passent, s'ils passent, est-ce qu'ils s'y intéressent au troupeau, comment est-ce qu'ils contournent les moyens de protection. Nous, ça fait longtemps en interne à la réserve et au parc qu'on travaille avec les éleveurs et les bergers tous les étés. Donc c'est les gardes de la réserve qui font les constats d'attaque de loups sur les troupeaux de moutons. On a des liens assez privilégiés avec le monde pastoral. On fait un peu l'interface entre l'équipe du projet LIFE qui vient travailler ici et les éleveurs et les bergers. Cette action de connaissance et de gestion vient vraiment, ça complète notre rôle d'étude du loup aussi sur la réserve. Avec ma femme, on est éleveur de moutons et ça fait une trentaine d'années qu'on monte sur les hauts plateaux du Vercors. Donc on a connu avant le loup et maintenant on connaît avec le loup. C'est du souci, c'est une perte économique, c'est du boulot en plus, c'est tout, même si on dit que les brebis constatées sont payées, c'est pas le cœur de notre métier de se faire manger des brebis par le loup. Il y aura un bilan à l'issue du programme, savoir qu'est-ce qui a vraiment bien fonctionné, qu'est-ce qui pourrait être réutilisé, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, et de s'appuyer un peu sur ces bases expérimentales pour avoir des projets un peu plus concrets à l'avenir.